tu es cité tour à tour qui répondent. Oh, et frère et mort, approchons nos cœurs, nos mains, c'est l'alerte. Bientôt l'arrogance connaîtra la résistance et sa perte. Merci beaucoup à tous de nous accueillir ainsi. Alors vraiment, j'ai été accueilli d'une façon très chaleureuse. C'est vrai que la tournée, là, on est à la 130e exactement avec réalisateur. C'est vrai qu'on n'est pas loin des 300 en tout. 130e avec réalisateur ce soir, toujours autant de monde. On n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui se passe. Apparemment, il se passe quelque chose. C'est pas nous, hein, c'est simplement qu'il se passe quelque chose là-bas et que vous l'avez compris. Vous l'avez compris, on ne vous dit pas tout de ce qui se passe là-bas. De même qu'il y a eu une manifestation immense en Espagne avec 2,5 millions de personnes dans les rues, on ne vous a pratiquement rien dit. Donc vous finissez par comprendre qu'on ne vous dit peut-être pas tout. Et par conséquent, vous vous dites peut-être qu'il faut aller chercher l'information là où éventuellement elle pourrait peut-être se trouver. Merci beaucoup à TAC de nous accueillir. Merci beaucoup le repère. Merci beaucoup tous ceux qui sont différents dans cette salle, qui ont peut-être des nuances de point de vue ici ou là, sur différents sujets. Et justement, l'un des enjeux actuels, et en l'occurrence, c'est un petit peu ça, le propos en Grèce, c'est qu'il faut essayer de nous unir par les différences, d'essayer de créer des synergies. Chacun fait ce qu'il veut le dimanche, hein, dans tous les domaines, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de domaines différents. En Grèce, on parle beaucoup de prière aussi, pas que d'élections. Et en l'occurrence, voilà, on a des différences, certes, pour plein de raisons. Et certains d'ailleurs hésitent quelquefois, ils font certains choix plutôt que d'autres. Mais l'important, surtout d'après nous, c'est ce qu'on fait dans la semaine, c'est-à-dire quand la faculté de se retrousser les manches et de travailler ensemble à essayer de faire advenir un monde plus juste. Et en l'occurrence, dans ces circonstances, en Grèce, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On vous dit qu'il y a des gens qui sont à genoux. Certes, c'est sympa, c'est solidaire de dire ça aussi pour créer, par exemple, des initiatives de solidarité. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Grèce, il y a énormément de gens qui sont debout. Et c'est à eux que je vais laisser la parole maintenant. Avec un outil qui est très modeste, j'ai filmé avec un simple appareil photo, je demande la plus grande indulgence. Je ne suis pas cinéaste, hein, contrairement à ce qu'on annonce quelquefois. Sachez simplement que, concernant ce film, on a vraiment senti, ces derniers temps, que quelque chose se passait de très important. Et en écho, d'ailleurs, on part bientôt à Marina Leda, à Barcelone, à la coopérative intégrale catalane, au Chiapas aussi, chez les notaves à Turin, on sent qu'un nouveau mouvement, appelons-le altermondialiste peut-être, ou autre, quelle que soit la façon, on peut nommer chacun d'une façon différente, est en train de naître actuellement, et c'est quelque chose qui est peut-être très prometteur. À vous d'en parler après ce film, je vous laisse maintenant avec lui. Merci beaucoup à vous. Cité tour à tour qui répondent. Oh, frères humains, rapprochons nos cœurs, nos mains, c'est l'alerte.